Salut à tous les cramés, CFH. Merde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes correctement installés. Merci à vous d'avoir cliqué. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour un événement exceptionnel qu'on vous présente aujourd'hui là. Vous vous rendez pas compte? The competition. La compétition. De quoi? Ok, quoi coupé? Pas du foot, mes amis. Vous avez bien compris. Des liquides inflammables et des alcools. On a du pinard, on a de la Belzébuth. Ça, c'est la bière la plus forte qu'on ait trouvée à Intermarché. Premier degré, c'est dégueulasse. Un tchoukou d'acétone, c'est quand même nettement meilleur. Tu veux le goûter? Ah bon, bien sûr. Oh, j'aurais jamais dû boire ça. Pour cette compétition, fallait prendre tous les produits possibles. On a donc du coco, du coco-colo et de la binouze. J'aime bien la binouze. Je pense que cela, ça va flop. On va voir ça justement. Ça, c'est de l'acétone. Faut pas boire. Ça, c'est du white spirit. Faut pas boire non plus. Ça, c'est de l'alcool à brûler. Encore moins. On a ici du 98, du gasoil et de l'éthanol. Alias, la betterave alcoolisée. Ensuite, on a de la javel, de la peinture blanche, du whisky et surtout, du pastaga. Un concurrent redoutable, la vodka suivie du rhum. Bien sûr, on a investi là. On s'est dit avec le nono, on arrête les conneries là. Parce que ça va bien de respirer des vapeurs d'essence. Mais on aimerait bien faire perdurer cette chaîne au moins encore 2 ans. Hein, on voudrait pas crever avant. Donc du coup, on a investi dans un petit masque à 44 euros TTC. Tac. Je suis ton père. Les petites lunettes. Ouais, les lunettes de protection aussi. Parce que bon, allez, on arrête de dire des conneries. Mais faire brûler, tu vois, du white spirit, de l'acétone ou de la javel. On s'est dit, ah, c'est peut-être un peu risqué de respirer ça. On a 2 pots. Alors ça, c'est tout à l'heure. Je viens de les nettoyer ça. On a acheté des pots de maïs, bon duel, petit pois carotte, juste pour faire ce concept. On n'en peut plus, hein. Tu racontes pas ce qu'on va chier tout à l'heure. Eh, regarde, eh. Eh, je crois pas que les petits pois, ils ont des lunettes. Regardez qu'on vous présente un petit peu le décor. Mythique le décor. Là, les allumettes. Cramer 100 000 allumettes, ça fait quoi? La vidéo, elle s'affiche juste en haut. Le capot. C'est encore un petit peu dur pour moi de parler de ça. C'est encore un petit peu dur, Titi. Titi! Non! Le capot, sauter par-dessus le feu en voiture, ça fait quoi? La vidéo, elle s'affiche juste là. On compte sur vous, hein. Bien sûr, les cramés, ne refaites pas ça chez vous. C'est très dangereux. On a tout ce qu'il faut pour éteindre et on est un petit peu frappadingue. Mais ne refaites pas ça chez vous. On fait des expériences. Il y a au moins 30 mètres de hauteur sous plafond, là. Tout de suite les cramés, début de la vidéo, quel produit brûle le mieux? Let's go! Éthanol contre alcool à 90. On va en mettre un petit peu pour commencer. Alors let's go, l'éthanol il est ici. Oh, il y en a énorme. Ok, ok, j'ai trop peur! En 40, on disait pas ça! Oh! Et oui, attention! 3, 2, 1. Attends, je crois qu'elle s'est éteinte ici. Ok, là ça brûle. On se rend pas compte, la flamme est transparente. Ok, l'éthanol, elle monte haut, hein. Ok, donc pour l'instant, l'éthanol gagne le match. C'est incroyable ce qui se passe, Bruno. Eh, hey, là, il y a Mbappé et là, il y a Zizou. Ok, Mbappé, Mbappé prend de l'avance. Il arrive, il frappe et c'est la flamme. C'est la flamme, Bruno. L'éthanol remporte ce match. Oh la main, je le dis. Oh la main, l'éthanol. Bon, on a compris, là. Tu t'éteins ou quoi, là? Oh. Les cramés. On enchaîne sur le deuxième duel, le vin, de la piquette, du Bergerac. Tu peux te dire, on va le finir avec Nono avec un petit bout de clacos après. La Belzébuth, horrible. Je l'ai goûté à l'intro, c'est horrible. Ça, ça te décape des chiottes, hein. Je te le dis direct, hein. Allez, c'est parti, on enchaîne. Duel numéro 2, les cramés. La piquette, du pinard. Allez, c'est parti, on va ouvrir ça. Les amis, dites-moi dans les commentaires vos pronostics à chaque duel. Vous me dites, par exemple, là, c'est le vin ou la bière qui va gagner. Allez, là, là. On va goûter ça quand même. Il est complètement râpeux, c'est horrible. Je vois un petit coup d'acétone pour brasser la bouche. Que là, le pinard. Hop, on en garde pour ce soir. Et de la Belzébuth. Et hop, la Belzébuth. Moi, sincèrement, je pense que ça va pas marcher. Alors, c'est un flop. On a mis en concurrence certains liquides où on savait que ça allait flop. C'est le but de la compétition, t'es con quoi. Mais bon, on aura peut-être de bonnes surprises, qui sait. Franchement, le pinard, il était râpeux. La Belzébuth, elle passe. Hein. Ah ouais, la Belzébuth, là, elle part en demi-finale. Là. Ah, let's go. Duel number 3. Oh, l'action bleue de merde. Vodka, rhum blanc. Vodka ici. Je suis généreux quand tu te mets, y'a pas de problème, moi. Donc, le rhum, let's go. On n'est pas des grands buveurs d'alcool, du coup, on a acheté des flashs parce qu'on s'est dit, on ne boira jamais. Autant y aller sur les quantités sur le 98. Hein. On foutra ça dans le kangou. Allez, dites-moi, les amis, dans les commentaires, quel est, selon vous, le produit qui va prendre le plus feu, vodka ou rhum? Les amis? Yes. Oh, le flop.
C'est une blague. Le rhum, cette eau de vie originaire des Caraïbes, produite par la distillation des sous-produits fermentés de l'industrie sucrière. Cette mélasse, vieillie en fût de chêne, prend alors une toute autre tournure. Sa coloration ambrée. Non, en fait, j'y connais rien. Le rhum passe et c'est parti. Duel suivant, White Spirit, peinture. Je pense que ça, ça brûle. Pourquoi? Parce qu'il y a une flamme. Non, déjà. Et la peinture. Tac, est-ce qu'il y a une flamme? Non. Si, regarde. Plus ah, près. Ah oui. Plus près. Oui. T'as vu? Oui. Je pense que j'en ai trop mis. C'est bon pour toi? Pas trop. Il y en a sur la caméra? Non, j'en ai sur le doigt. T'es sûr? J'en ai sur le doigt. Et j'en fous de ton doigt, la caméra. Tout de suite, dites-moi votre pronostic dans les commentaires. White Spirit ou peinture? J'ai peur là. Alors là, ça va me casser les couilles. Non, bah, White Spirit prend là, non? Bah, ça arrive à la peinture. Là, c'est descendu dans le liquide là-dedans? Ouais. Bah là, c'est White Spirit qui crame, je crois. Moi, je crois que la peinture, elle prendra pas. Ou alors, il y a beaucoup trop de trucs. La peinture est sèche. Down. T'es nu. Bon, ça me rassure un petit peu pour l'intérieur de mon salon. Le White Spirit gagne et remporte la partie. C'est incroyable ce qui se passe. On est sur quelque chose de totalement légendaire. Vous ne vous rendez pas compte. On fait ça pour la science. Jamy, là, il serait super fier. Next round. Ok, l'action est pourrie. Bon, un petit coup de pinard, attends. Gasoil, c'est pas ça. Gasoil, à ne pas confondre avec mon analyse d'urine de ce matin. Et sans plomb 98. Là, franchement, je suis quasi sûr que ça va brûler. Mais ça, un petit peu moins. Parce que je crois savoir que dans les voitures diesel, il n'y a pas de bougie. Je ne sais pas, je ne m'avance pas. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes garagiste. Et si vous pouvez nous mettre à disposition une Lamborghini. Attention, il a osé, histoire de recommencer. Vous voulez que je fasse une petite animation? Absolument pas. Bah, je te la fais quand même. Allez, trêve de bavardoise. Pas de bêtises jamais. Non mais là, je pense que tu te rends pas compte de ce que t'es en train de vivre et du privilège que t'as d'être ici. Je l'avais dit, l'essence remporte haut la main. L'essence, c'est dingue, hein. Mais comment ça marche un moteur diesel? Voici le fonctionnement d'un moteur diesel en vue 3D. Oh, la flamme, tes mains. Ah mais, moi, je te dis, hein, pronostic, celui qui remporte la compétition, c'est l'essence. Allez, let's go. Red Bull. Cola. Ah, c'est horrible. Qui boit ça? Bon, moi, je pense que ça va pas marcher. Et attention. Ouais, c'est un flop. Allez, c'est parti. Défi suivant, c'est de la merde. Le Coca passe contre le Red Bull. Et là, le Pastaga qui l'emporte sur le whisky. Tiens bon, mon gâté. Mais cramé, c'est pourquoi on a le masque. C'est pour les deux produits suivants. Javel contre acétone. Alors, je pense que là, ça va cramer. Là, si ça va pas, désabonnez-vous. Non. Javel. Voilà, acétone. Le nom, c'est quoi? Ah, acétone. Cet homme, le fils de Bête de Louis, cet homme. Allez, on enchaîne pour pas mourir, ok, ça te dit? Allez, hop, super, génial. Ok, c'est parti les amis, prêt, 3, 2, 1. Là, cet homme. Là, c'est cool qui remporte. Putain, contre la Javel. J'aurais dit le contraire, mec. Alors là, c'est ultra toxique, hein. Allez, je l'étouffe, parce que là, c'est trop dangereux. Donc là, l'acétone, grand vainqueur, pour l'instant. Éthanol, sans plomb 98, et l'acétone, son... Le pinard est quand même bien au-dessus, hein. Ce match-là, c'est un flop. Le Coca passe, la Belzébuth est dégueulasse. Putain, mais qui m'a pondu cette bière de merde? C'est vraiment dégueulasse! On dirait que c'est fini à la piste de chat! Non mais qui boit ça, sérieux? C'est vraiment de la merde! Putain! Oh Pastaga, tu es vraiment le meilleur. Oh Pastaga, on te retrouve aussi au bistrot. Allez, c'est parti, acétone, White Spirit. Ah, les deux pires, franchement. Surtout les miens, tout rond. Ah ouais. Tu veux que je te dise un truc? Des fois, il faut se méfier de l'apparence. Un petit peu, voilà. Donc là, c'est le White Spirit.
Oh là là, oh là là, trop vite. Oh, attends, non, 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 c'est acétone, c'est acétone. Oh non! Aïe! Aïe! Ça me pique, gros! J'ai saigné, je me suis versé de l'acétone sur moi. Quoi ton pronostic, toi? Acétone. Ouais, moi aussi. Allez, 3, 2, 1. Let's go! Y'a pas un match? Bon, non, y'a pas un match, putain. Bon, avec ça, ça veut dire que c'est hyper toxique! Le gagnant, c'est monsieur? D-Acétone. Éthanol 98. L'alcool, l'essence, le sans-plomb. Les amis, pronostic dans les commentaires. Moi je dirais l'éthanol. Ah oui? Ouais. Moi je dirais l'essence. Moi je dis l'éthanol parce que pour des prototypes machin, ils mettent de l'éthanol et pas du. Pour avoir des plus grosses perfs. Alors attention, l'éthanol il est ici et le sans-plomb ici. Wow, t'as vu? Là ça y est. Ça prend le relais là. Ah, ça se joue à un poil de Huck. C'est chaud. Moi, pour l'instant, je dis l'essence. Ouais, pour moi aussi. Ah ouais, l'essence. Ah, c'est l'essence. Ah, l'essence. L'essence remporte. Oh la main. Moi, je dis l'éthanol parce que pour des prototypes, machin, ils mettent de l'éthanol et pas du pour avoir des plus grosses pertes. Let's go. On sait déjà qui va gagner. Coquin, acétone, on le fait quand même. On sait pas, peut-être qu'il peut se réveiller là sur la demi-finale. Il va se dire, allez, je vais me réveiller. Peut-être que Didier Deschamps était derrière lui là. C'est parti, là on est en quoi là? Quart ou demi là? Demi-finale. Le Pastaria en demi-finale. C'est incroyable. J'en perds ma voix, Didier. Le Pastaria. Essence contre Pastaga. Malheureusement, je pense que c'est la fin du Pastaga. Il sera quand même allé loin hein, dans cette aventure. Pastaga, Essence, le duel. C'est incroyable. Quoi? Il devait rester un petit peu de résidu du précédent. Un bon départ du Pastaga. Il chute au premier virage. Il se relève, mais il a du retard. Tandis que l'essence prend une avance considérable, Maurice. Plusieurs secondes d'avance. C'est incroyable ce qu'on vit en ce moment. Mais l'essence a remporté la course. Il est cramé. Eh, mais c'est moi que je suis cramé, sans déconner, là. C'est les vapeurs de tout ça qui me... L'essence, elle va en finale. Elle va en finale, l'essence. La finale, les amis, c'est incroyable ce qui se passe. Moi, je t'en prends juste après. L'essence, les amis. Oh la vache. Voilà, pour une finale, il en faut. Hein. Il en faut pour être heureux. Vraiment très fort pour être heureux. Contre Acétone. Là, c'est un match incroyable. C'est une belle finale. Les amis, je vous laisse 3 secondes là pour me dire en commentaire, selon vous, Essence ou Acétone. Let's go. J'attends. Let's go. Merci à toi pour ce commentaire. Allez, on décompte. 3, 2, oh l'essence, je suis désolé, l'essence. Non, 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 la flamme elle est plus vive, plus intense. Non, elle monte, non, 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 te fous pas de moi. Mon loulou. Putain, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. J'y fous très bien un peu de javel là-dedans. On fera pas ce concept tous les jours parce que ça pue un petit peu. J'espère que vous m'avez bien entendu durant tout ça. J'espère que vous avez kiffé le concept parce que c'était une première pour nous. Merci à tous les participants de cette vidéo. On peut les applaudir, vas-y, je te laisse applaudir, vas-y. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, c'est super sympa. Bien évidemment, je te laisse t'abonner à ma chaîne YouTube, activer la cloche, à mettre un like, ça fait toujours plaisir. Et également mes réseaux Instagram, TikTok. Il va y avoir bientôt un jeu concours sur Instagram et le nouveau concept, les amis, sur TikTok. Je vous laisse y aller voir, je vous en parle pas, il y a un nouveau concept dingue. C'est tout ce que je peux dire. Rendez-vous la semaine prochaine, dimanche à 11h pour la nouvelle vidéo. C'était FH. Ciao!